Pascual là-dedans sur Télévision Nationale Haïtienne à l'ESA. C'est un plaisir de nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, après la 13e, on va retourner sur ce qui est arrivé la semaine passée à un niveau pédernal. Haïtiens ont chassé, son véritable chasse aux Haïtiens. Et là, il y a une disposition qui prend pour fermer frontière sapite pédernale pour éviter la situation ça à continuer. Et au niveau de la Chambre des députés, aux commissions qui sont sur place et aux promettre d'ici semaine prochaine, il y a partagé avec un PIA, ça rejoint et aux recommandations. Et on promet tout pour recevoir avant longtemps ministre Affaires étrangères à culte sous dossier ça. Et puis bon, on a parlé très certainement et retourné sous sa crivée dans la dernière séance au niveau du Sénat. Sénateur Nord, Naoum Marcellus, en pleine séance, qui subit un AVC hier et Jackson Memorial Hospital recevoir le sénateur à un avion ambulance. C'est obligé de venir chercher lui et venir l'aller d'ici 5 jours, selon le président de la commission santé. Calbura Kantab, nous avons une idée de qui Jean et ta santé parlementaire. Et c'est président commission affaires étrangères au niveau du Sénat. Là, pour nous commenter l'actualité, nous avons plaisir de recevoir matin le sociologue Daniel Supplice, professeur d'université, ancien ministre et professeur Supplice. Son plaisir pour nous recevoir matin sur TRH. Bonjour Sergio, moi-même, tout son plaisir pour nous, avec nous dans le studio matin. Je m'en profite pour saluer toutes les téléspectatrices et les spectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Ça fait quelques jours que je suis venu là. Et ça fait un plaisir la matin. Parfait. Alors, on démarre avec son nouvelle triste en pleine séance. C'est un sénateur et suivi un AVC. Il a mené à l'hôpital Bernameuse. C'est vrai, Bernameuse était le premier soin, mais obligé de transporter aux États-Unis d'Amérique du Nord. Quand on passe à une administration publique là, où tu travailles sous le régime du Valier, à professeur Supplice. Est-ce que c'est comme ça que tu es toujours lié? Les officiels, il y a des problèmes. C'est à l'étranger obligé à le soigner? Il n'est pas toujours comme ça. Moi, pas de pari. Et question ça, mais c'est vrai. Et c'est assez récent qu'en Haïti, depuis quelques temps, dès qu'on est malade, c'est à l'étranger obligé pour y aller. Vous avez parlé de avant l'émission des anciens présidents sous le régime des Duvalier. Et François Duvalier, son équipe était très malade. Et j'étais diabétique à un niveau très, très avancé. Et si je me trompe, il y a un problème de cholestérol. Donc, il fait plusieurs crises pendant le mandat là. Et c'est des docteurs haïtiens qui étaient traités. Et Jean-Claude Duvalier lui-même tout. Et surtout vers la fin de présence à la tête pays, il y a des problèmes de santé assez importants. Tout. Et c'était des docteurs haïtiens qui étaient traités tout. Donc, et de l'expérience que j'ai, hein, et de connaissances que j'ai, tout c'est pas seulement expérience, on prend le régime de l'ESCO à Duvalier Jean-Claude, mais pas au courant de aucun président haïtien ou homme d'État haïtien important qui était obligé de voyager pour aller à l'étranger. Bon, je pense que ça a son signal lié. Donc, à interpréter, est-ce que ça veut dire que nous faisons moins confiance à connaissance que nous avons à la carrière? Est-ce que ça veut dire que le système de santé haïtien est en plus mauvais état qu'on a que avant? De toute façon, bon, bah, qui certain, et bon signal quoi, que ça baille au niveau du Parlement. Hein? Pour que sénateur, dans le prochain vote qui a fait d'exercice budgétaire, a assuré que eux-mêmes ont réduit le budget par eux pour faciliter l'émergence d'une nouvelle structure de santé en Haïti. Parce que je suppose que comme on est, le Parlement haïtien gouffre plus d'argent que le ministère de la Santé publique. Donc c'est dommage que ça arrive, sénateur Marcellus, je souhaite que le refait et que le retourne pour un poste. Comme jeune sénateur, je souhaitais tout en même temps que la société a tout, ouais, mais qui s'ennuyait. Parce que à force de faire l'autruche, il faut être tout le monde une base que nous bien, nous voyons que nous tous, indépendamment de qui côté nous y est, de qui ça nous pensait que nous y est, de qui côté que nous pensait que nous y est, notre strat social pays, nous sommes tous condamnés à subir un AVC ou d'autres types de maladies qui demandent en urgence et que si vous n'avez pas de moyens, ou pas capable de répondre. Donc, moi, c'est que le signal que pour nous d'abord là, et qu'on permet de dire là, dans la télévision, c'est que santé n'est pas doué privilège pour qui gagne seulement. Peuple là, dans une situation économique extrêmement difficile, donc ce n'est pas normal qu'une grande partie de la population soit condamnée à ne pas avoir des soins de santé parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, moi, c'est son gros signal qui baille là, je dis là, ça qui veut sénateur là. Nous regrettons que ça arrive, mais ça doit arriver chaque jour dans Port-au-Prince, à des gens qui n'ont pas de moyens.
Donc moi, c'est que l'important, pour nous reprendre sens, nous, pour nous réaliser que nous sommes un pays en danger, nous sommes une population en danger, danger sismique, danger climatique, danger écologique, mais en même temps danger de santé. Donc moi, c'est un signal, ça. Mais au fait, ça a plus fois oublié, la santé sont affaire de seconde. Nous ne devons pas guetter, la sénateur a une possibilité pour que l'on ait une ambulance de chercher et mener aux États-Unis. Mais ça, quand il pas guetter, nous sommes sacrés de Thierry Gardin, nous sommes sacrés de l'ancien président René Préval. Bon, comment ça s'est passé? Ça qui fait un peu mal. Il arrive que, considérablement, d'avoir regardé ces affaires en télévision, c'est que moi, sénateur, a été au moment figé, il n'a pas bougé, il n'a pas fait rien. Moi, que j'ai un médecin dans le sénateur. Et puis, moi, que, avec une indifférence totale, deux, trois nègres levés, monsieur, il prend monsieur, il n'y a aucun bill d'ailleurs avec lui. Alors que moi-même, le peu que connaissance que j'ai dans le domaine ça, voulait dire que il faudrait que, au contraire, pas manger monsieur. C'est des experts qui vont t'apprendre comment pour qu'un bill, monsieur, manger monsieur. Mais pour t'arriver en ambulance. C'est peut-être émotion au moment, peut-être. Non, à niveau, ça n'a pas gagné émotion, ça, Sergio. Nous parlons d'hommes d'État, nous parlons du Sénat de la République, nous parlons des sénateurs de la République. Pas qu'à gagner émotion, pas qu'à gagner. On panique parce qu'on est fou en disposition. Bon, gens, ils traitent le monde qui fait en disposition. Moi, je prends monsieur à bras le corps, plusieurs nègres qui pensent ensemble, aucun bébé, il y a là monsieur. Alors que, un, critique comme ça, c'est que, un, il y a des sénateurs qui sont médecins, bah ouais, ils sont intervenus pour te faire le geste médical qu'il fallait, ça c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, c'est à bout de bras là, monsieur, nos machines. On ne peut pas comprendre. Ça veut dire que, alors que, il y a plein de réclames qui ont fait dans toute la rue, sur des services ambulanciers, il y a même des réclames sur des services ambulanciers, des hélicoptères qui ont fait dans la rue, pour ce système ça y est. Donc ça montre encore que nous en plein mensonge dans le pays. Et que, un, pas un système ambulancier fiable. Deuxièmement, n'est-ce qu'il docteur dans le Parlement, je ne comprends pas. Parce que le sénateur, quand tu as retiré l'envoi, parce que c'est le médecin. Et c'est lui qui devine. Bon, bon côté, sénateur, il n'a pas. Oui, mais bah, le sénateur, quand tu n'as pas dû accepter que vous prenez M. Abraham pour moi, ça. Parce que vous avez prendre, peut-être que. Bon, spécialiste en question. Mais peut-être que vous avez dit, au niveau du Sénat, il faut que tu aies une ambulance. C'est pas moi que le sénateur a fait séance, par exemple. C'est pas ambulance qui vous a gagné. Peut-être qu'au cas, tu as besoin d'ambulance. Mais où tu as besoin d'un système d'urgence médicale en Sénat, côté que pour mon temps intervenir, donc tu dois être un médecin attaché. Donc ça fait ton bon de pays. Bon, donc, bref, c'est pas un infirmerie qui, quand même, malheureusement, dit que tu es enfermé. Mais ça n'a pas de sens. L'infirmerie doit fonctionner tout le temps que tu as un monde qui travaille dans le système, ça doit fonctionner. Donc là encore, ça a montré le niveau de crétinisme que la société a développé. Vous avez dit que l'Italie n'est pas toujours comme ça. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui arriver là? Et qui le sont doit tirer pour que nous changions les données. Oui, au moins ça qui passe. Il y a toujours un exemple sur le pays qui tout prend nous. Pas quel pays qui tout prend nous. Gros problème qui vient arriver dans la société très grave, gros cas qui est extrêmement important, que nous tous, évident, que nous situons au départ de la Duvalier. Au départ de la Duvalier, il y a une remise en question qui fait un pays. Okay? On ne change pas le cours de l'histoire. Okay? Le Duvalier était à vie, mais le concept à vie, c'est un concept qui, finalement, ça, je dis que l'on a discuté de Bali, ça veut dire à vie, l'homme me dit, l'homme mourable, c'est son façon que je me démettais comme ça, pour faire rire. Mourable veut dire que nous autres, on va mourir. Pas qu'il y a rien qui a vie. Il n'y a que la vie, ce mariage à vie. Ça veut dire que l'idée, ça n'a pas qu'à exister, on est moins à vie. Bon. Bref, puisque au bon temps physique d'existence sous terre, ça. Maintenant, Negio, l'histoire fait que, 7 février 1986, Jacques Duvalier, obligé de partir quitter le pays. Bon système politique qui est en place, qui peut-être pas conforme à l'idéal tant époque là, et ça fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est pas gain. Moi-même, je me prends dans le combat. Et là, je suis un révisionniste, je suis un homme qui a fait un retour au passé en permanence, après regretter ce que regrette l'autre bon. Au contraire, je suis un homme qui pour en avancer. Ça qui pas de bon, on retire, ça qui est bon, on kembe, ça qui peut améliorer, on améliore. C'est théorie, pas de théorie. Il arrive que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui dévoile comme ça. Que le départ des Duvaliers, cette cassure qui s'est faite après le départ des Duvaliers, a entraîné un acquis démocratique important, qui est la liberté d'expression, la liberté d'organisation, la liberté de parole. Ça a son acquis indiscutable et sur lequel personne n'a aucun doute. Mais à part ça, mon paquet de l'autre perte que nous faisons, parmi les pertes que nous faisons, c'est par exemple le respect de l'autorité. Je ne vais pas parler de l'autorité politique ou de l'autorité policière, non. Je parle par exemple au niveau des universités. Vous courez certainement que vous grand questionnement qui a fait là, c'est une possibilité que le diplôme médecin haïtien, bientôt, capable de reconnu.
Ok. Moi, rappelez-moi, c'est un ancien étudiant de faculté de technologie. L'homme de faculté de technologie, on est fin de faire licence ou, à l'aise ou parti ou à la France, ou faire maîtrise doctorat sans problème. Et là, on est fin de faire philo en Haïti, sous l'université aux États-Unis, okay? Qui était capable de tout. De pour passer test, ça veut dire les TOEFL là, qui ont test d'anglais, qui qualifient pour suivre quoi en anglais, ou on est dans n'importe quelle université américaine. Ça veut dire que tu as gagné un niveau, pour être seulement le domaine d'éducation, tu as gagné un niveau d'éducation, quand même, qui était à un certain hauteur, qui fait que nous sommes presque équivalents au bon de l'autre pays, y compris en Europe. Côté système éducatif, c'est toujours très à l'avant-garde. Mais qui ça vient de passer? Il y a un paquet des autres qui viennent faire dans le système éducatif là, qui fait que niveau instruction en baissé, donc niveau formation en baissant, niveau n'est qui formé en baissé tout. Donc, il y a presque, on peut sans risque de se tromper, quoique médecin formé qu'on y a dans la faculté de médecine, non? Moins qualifié que n'est qui était formé en 1967 ou en 1972. Tristement, alors que tout côté, au côté niveau qualification a bien plus élevé, nous-mêmes nous avons comme impression que niveau qualification pas nous a baissé. Élevé tout partout. Écoute, nous avons des blagues là. Grand-même, il y a des lettres manuscrites de grand-même. Et le grand-même de l'école, grand-même pas de fait plus gros classe que peut-être équivalent et quatrième, troisième. Grand-même t'a écrit des lettres entières, pas qu'on faute d'orthographe en donne, pas qu'on faute grammatical en donne, pas qu'on faute lexical en donne. Ça veut dire que niveau au monde, il y a certaines ans, qui t'a fait cinquième, presque équivalent niveau, on a qui fait rétrophile au là. Même plus loin même. Même peut-être plus loin. Ce qui veut dire que cette baisse au niveau de la qualité de l'enseignement, fait que on baisse au niveau de la qualité de la formation et on baisse au niveau de la qualité de qui est formé. Donc, bon, c'est une explication que j'ai. En 1986, on a confondu liberté à une situation de liberticide. On a confondu démocratie à un brigandage. On n'a pas su garder ce qu'on devait garder. Et définitivement, enlever net dans le messe ça n'a pas de bon. Est-ce que c'est parce que moi, la votre commune vous le ou bien votre commune pas parler pour t'assumer ça que tu as vu pas de, pas de manière pour commencer. Une très inconfortable expression là chez moi là et on bouge ça expression très 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 chose ça quoi son quoi c'est mon seigneur mais qui est premier ministre divine la parole ça là chez moi ba été à blanche ouais là ba été à blanche là ba été à blanche et désertifié mais en désertifiant cette terre elle ne produit plus donc même dans symbolisme là chez moi là on va rentrer dans logique là chez moi là OK c'est pour te dire peut-être quittez mon ami pour manger le bien. Plutôt de dire ça. Parce que je dis rachez mon yop, d'ailleurs, mon yop, c'est manger le bien. Monsieur dit rachez manger, bah, il était à blanche. Son effet, il s'enrage, par contre. Même d'après Félix, il a dit, mon cher, entendre mon yop, l'ami pour bien manger. Mais ça, nous ne pas de comparer, nous t'assumer après Duvalier, il fait que je vous dis, c'est la réalité. Non seulement nous ne sommes pas de parler, nous avons une mauvaise lecture du gouvernement de Duvalier. Ma bonne exemple, c'est ça. Il y a un opposant à Duvalier, connu, que je vais le citer. Il s'agit du docteur Gérard Pierre Charles, que je me suis rencontré à Mexico et avec lequel je me suis gagné un très bon rapport intellectuel à Mexico. À l'époque, je suis premier secrétaire d'ambassade. Nous sommes en 1976, qui vient rentrer et après le départ des Duvalier. Et il a jugé utile de me rendre une visite de courtoisie à Port-au-Prince d'abord, pour me dire comment je suis et comment je vivre après Duvalier, ce qui fait moi le plaisir. Mais plus que ça, il a besoin de comprendre tout. Comment le système a été fonctionné parce que tu as un pile de barrage qui a couru. Nous tous qui étions ministres du Duvalier, au départ de Duvalier en 1986, nous étions taxés dans des voleurs, des gens qui ne savent pas faire, les a tout fait, en pile dans des assassins et des pas sérieux. Gérard Pierre Charles, que m'a salué, mais moi je dis à la, je dis, Daniel, ou même qu'on a comme c'est eux même. Et je ne sais pas quoi que le pays a son pays de vagabond. Certainement, il y a quelques vagabonds. Je me dis, monsieur, mais évidemment, il y a quelques vagabonds. Je me dis, mais comment l'administration marche? Est-ce que c'est vrai? Ou tes ministres, va vous dire, monsieur, des ministres. Est-ce que c'est vrai que tu es un chéquier dans le proche, ce qui est ministère, et que tu es rentré dans nos magasins pour faire des achats, et pour aller plus moussigner carrément comme ça? Moi, oui. Je dis, monsieur, mais j'ai là, pas bien. Ou bien, ça n'est pas possible du tout. Je ne sais pas qu'on est que des ministres affaires sociales, si j'ai besoin d'acheter un bureau, il fallait que je remette couche-pied des comptes
trois pro forma. Ni je te connais que le docteur Blanchet qui était dans tête course d'accord. Docteur Blanchet pas passé ça pour nous. Ni je en plus de ça faut signer un paquet de papiers qui était des ordonnances. Faut signer 5 6 ordonnances. Faut que même comme ministre signer, faut comptable chef la signer, faut directeur unité programmation signer, faut aller dans finance, faut direction budget viser, faut direction trésor viser, faut couper des comptes viser. Dit je son système qui était établi depuis l'occupation américaine qui était allé. Je dis dans ce cas, n'est qui t'a volé parce que n'est qui t'a volé. Dit je c'est sûr peut-être que n'est qui t'a volé. Ni monsieur n'a pas chercher voler, voler ça dans budget. Voler que tu as fait, c'est des voler que tu as fait par rapport à pouvoir que tu as gagné et c'était toujours en dehors du budget. De toute façon, dit monsieur le budget, ministre des Affaires sociales, là ça, et 18 millions de gouttes. 18 millions de gouttes, dit monsieur 18 millions de gouttes. Qui t'est décaissé en 12e, je ne sais pas si tu comprends, décaissé en 12e. Je t'ai pensé que chaque année, je prends 18 millions de gouttes, je mets le long compte, je vais me chéquer. Dit monsieur, nous n'avons pas ça le fait, monsieur. Dit monsieur, chaque mois, je divise 18 millions par 12. Et puis l'État mettait 12e ça à ce compte-là. C'est le premier bagage. Deuxième bagage, monsieur, à l'époque, 78% du budget maintenant, ton budget salaire. Et chèque, ça a été tout émettre directement depuis la finance. Mon cher Bab, j'ai oublié, monsieur, on a un problème pour le marché. Monsieur dit, tu permets que j'appelle mon chauffeur pour qu'il me. Mon cher, monsieur fait chauffeur pour qu'il y ait une autre que le dégain de machine. Monsieur prend une note ça. C'est pour nous que, bon, ben l'autre n'est qui devenu, pas de faire comme vous, monsieur, tu penses que. Effectivement, parce que c'était les Duvaliers, parce que c'était la dictature des Duvaliers, tout vous m'de dos. Fante c'est tout bagaille. Non, mais tout, Fante Kase, et que tout vous m'de dos, tout, ça veut dire que quel que soit ça que tu fait, pas de aucune sanction. Parce que la perception, c'est que son régime qui t'a bambouché, qui t'a pris la richesse. Pas, pas de rien. Bon, et bien voilà. Et ça que t'es passé, hein, l'on était fondé sur le cap, dans l'après-midi, de compte ça. L'on était directeur d'immigration, l'on était passé post-immigration, quel que soit côté, t'es passé post-immigration. Sur les 4 points officiels de mon acte passé, dans les 24 heures, moi-même, je suis au courant. Je suis au courant, je dis, qui machine ont passé, je dis, qui numéro machine qui passé. Donc, tu as une bande de mise en place qui était faite, qui était extrêmement important dans la construction de l'État. Ça veut dire que les gens sont fiables. Relativement, pas tout à fait. Mais il y a un niveau de fiabilité que tu as gagné, un série d'informations que tu as gagné à l'avance, et il n'y a pas d'État sans ça. Je me songe moi-même dans la faculté de droit ou dans la faculté de technologie. L'on professeur quand pour Gérard ou Grandré, tout élève de météo, quand peut mettre là. Tu as un respect monde. À l'université. Ah, oui, je parle à l'université. C'est de ça que je parle. On aime que Grégoire Eugène rentre dans la classe. On est quand pour Gérard ou rentre dans la classe. Et dans la classe, tu as toute qualité nègre. Tu as des militaires dans la classe. Tu as toute qualité nègre dans la classe. C'est lever campé pour dire bonjour, monsieur. Et là, monsieur Bradley, il faut lever campé pour dire au revoir, professeur. C'est comme ça que ça se faisait. On est quand pour Max Benoît à rentrer dans la classe. Ou bien docteur Jean-Baptiste Romain a rentré dans la classe, tout le monde s'est levé un peu pour saluer. On saluait l'âge d'abord, on saluait le savoir et la connaissance aussi. Donc, l'après Duvalier n'a pas eu que des aspects positifs. Si au niveau politique, il y a ce côté très positif qui était la remise en question des libertés individuelles et des libertés collectives, par contre, il faut admettre que dans tout l'autre domaine, il y a un gros problème maintenant. Et c'est ça que nous avons payé qu'on y a là. Parce que je dis à la, son pays grand-pilement, on a parlé de questions d'hôpital, système de santé qui est défaillant. Récemment, après du feu, tu prends la machine, d'accord, qu'on voulait pas de service d'incendie, pas de loisirs, ou chercher ça le cinéma, ou pas qu'à jouer dans le pays. Finalement, il y a un petit son pays, il y a un effet net. Et, oui, un effet impliqué, tu fait. Okay? Même pas c'est que l'on a allé dans l'histoire pays, c'est 200 quelques années qu'il existe là. Nous devons faire mauvaise route. Nous devons faire mauvais route dans le sens que nous essayons pas de bailler par marché. Au niveau du système politique, on a essayé l'Empire. Okay. On a essayé la royauté. Okay. On a essayé la présidence. On a essayé la présidence à vie. On est revenu à la présidence. Sauf que en ajoutant on bicéphalie dans la cohérence bah là. Nous venons mon président, mon premier ministre, okay, que nous n'avons pas marché. Okay. Donc, c'est pour nous qu'au niveau système politique, on a tout essayé. Nous n'avons pas marché. Maintenant, au niveau, nous avons la tête du pays. Okay. Au début de l'histoire, on a essayé des militaires. On a essayé des intellectuels. On a essayé des médecins. On a essayé des prêtres.
on a essayé des pas qu'on a rien, on a essayé des chanteurs, on a essayé qui ça nous tout, ça n'a pas marché. Donc moi c'est que il ne faut pas réfléchir à refaire, il faut bien réfléchir plutôt à s'asseoir et à voir ce qu'on va faire, parce que évident résultat là, on s'est natté en pleine séance font crise et il va mourir, c'est parce que quelqu'un b ok obligé pour un avion ambulance. Non, 24 heures plus tard, pour mener une chale aux États-Unis, et diplôme faculté de médecine, nous, presque pas bon encore. Et étudiant universitaire, m'a plaidé pour université à la. Depuis en juin, faculté de technologie fermée, personne ne bat dans rien. Depuis en juin, année passée, bon, bonne faculté, pas de travail, personne ne bat dans rien. Donc, tout est qualité étudiant, bah là. Et il y a un étudiant qui vient là, qui dit, monsieur Tiblis, est-ce qu'à chaque fois, c'est wash pour nous voir, à machine pour nous craser, pour nous faire tendre, pour nous faire mon tendre que n'existe. Et l'autre étudiant, il dit, je n'ai rien à dire, je ne vais pas levier non même, ça pour me dire. Je dis, mais voilà ce qu'on va faire. Il faut aller à la radio, il faut lui dire, mais on a déjà fait ça. Il dit, bon, il faut faire une manifestation de rue, faire un sitting dans la rue. On a déjà fait ça. Seul là, autant de nous, il n'a pas crasé vite machine. Mais c'est très grave. Mais tu dis, cap, dis ça. Ce n'est pas que le coup est contrairement à ça, mon gars, pensé. Que faut le faire brigandage à ça, pour étendre le nom. Mais il pensait que c'est seule option crételle. Mais c'est grave quand on oblige nos jeunes, nos universitaires, à s'exprimer par une violence sur tierce pour attendre et qui s'est demandé pour ouvrir l'université, pour qu'il y ait une bibliothèque dans l'université, pour qu'il y ait un banc dans l'université, pour que le professeur vienne à l'heure, pour que le professeur vienne à l'heure, vienne faire cours dans l'université, et pour que le minimum de cadre physique raisonnable pour fonctionner. C'est ça. Et malgré toute revendication, ça a l'impression tout le monde fait la sourde oreille, ça ne dit personne rien, c'est comme un pays qui a marché, tout va en forme, et puis tout va bien chez madame la marquise. C'est justement ça, ça veut dire que on a comme l'impression, du moins, que d'abord, on dédain pour jeunesse, pour commencer. L'université d'État d'Haïti, parce que, même bon, et le papa m'a baissé le baccalauréat, en 41-42, c'est 300 nègres qui descendent le baccalauréat. Là, moi-même, je viens de descendre le baccalauréat. J'étais déjà dans quelques milliers. Actuellement, il y a 100 000 personnes qui descendent le baccalauréat. Regardez, moi-même, je mets statistiques en pile. Regardez pour la capacité d'absorption UEH. Ils étaient haïtiens. Qui a 3 nègres? Regardez, monsieur, côté nègres, pourquoi vous allez le privé? Pour regarder pour que c'est une lutte infernale pour chaque poste d'étudiant disponible, il y a 20, 30, 40 demandes. Donc le ratio entre l'offre et la demande ou de la place à l'université d'Haïti, c'est une tête chargée bien. Et ils m'ont étonné que il y a monde pas. Mais pas qu'il y a l'autre bagaille que monde pas. Je ne peux pas se baser seulement sur le score obtenu à l'examen, puisque grand pile n'est intelligent, il y a capable de faire. Mais pas obligé, monde pas, professeur Suplice. Comment on va le faire? Comment on va le faire là? Non, mais qu'on croit que qu'on croit à l'ouvrir pour tout le monde à le participer. Ok, l'homme. Et chaque petit bon, la méritocratie. Oh non, je suis 100% d'accord. Mais il y a 300 qui gagnent même notre. Comment on va le faire? Mais son concours, il y a toujours gagné devant la voile. Non, c'est pas on est donc pas le composer. Ou gagne 25 000 ou gagne 20 000 qui va le composer. Ouais. 9 000 ou 20 000 qui gagnent même notre là. Comment on fait? Je ne suis pas en train de dire, évidemment non. Bah d'accord, du tout, méritocratie. Mais il y a une situation de fait. Fac de technologie, fac de médecine générale composée, il y a 70 nègres qui font même notre là. Comment faire ce tri à ce moment-là? Que je n'en formule. Que des canards, ou un électorat, une université. Laquelle? Non, mais il faut regarder. Est-ce que vous allez refaire l'autre test? Non, vous allez refaire l'autre test. Vous faites ça déjà. Ah, mais est-ce que vous allez faire au hasard? Maintenant, tout pour nos paniers pour tirer comme ça. De toute façon, ça n'a aucun sens non plus. Donc, la formule pour nous joindre, c'est que faculté de droit, pas qu'à continuer à prendre même quantité de nègres que le dépend les papas de l'an 42 à mettre là. C'est ça, oui, c'est moi. À la faculté de droit, je prends presque même quantité de nègres. C'est qu'un coup, en vrai, je ne parle pas avec mon téléphone. Je pose une question bien spécifique. Je dis que maman me fait sous la lue. Maman me fait dans le coin la lue avec Wiel Dufour. En 1930, maman a Tifrel. T'es qu'on prend plaisir sous la lue, à compter pour journée combien de machines qui passaient. T'en qui jouait que t'as fait. En 1930. T'as plus de machines sur moi. Non, pour la. Non, juste pendant la journée, c'était le jury. À la fin de la journée, frère Latéry et Félix, okay, il était qu'un fait Féfé. Maman me dit, Féfé, je dis, c'est 12 machines qui passaient, oui. Puis je me dis, non, ce n'est pas 12, non. T'es qu'on dernier qui passe, après c'est 13 machines qui passaient. À la lue. C'est génial.
la lui est resté la route de la lui, l'avenue John Brown, et ça que bon nom. Même largeur. Même largeur. Côté que gain mille fois plus machine qui passe là-dedans. Chaque jour. Boisvena, même bagaille. Bien étonné que gain un bouteillage. Mais écoute, pour me venir là, c'est 1h30. Alors que m'habiter à moins de 1,5 km de ici, ça m'a pris 35 minutes. Mais c'est tout à fait normal. Mais si nous pas capable à l'avance planifier ça, comprendre ça, c'est normal que nous tombons dans ça, nous y est là. L'Université d'Haïti, pas en mesure du tout pour l'absorber de monde qui gagne de place là. On parlait d'un grand campus à Damien. Moi, après, c'était surpris d'un Préval. Okay, mais il fallait qu'on fasse ce campus à Damien. Pourquoi ça toujours là? Oui, pourquoi ça toujours là? Il faut qu'on réfléchisse à des universités qui absorbent 30 000 mondes maintenant. Nous sommes en 2018, 21e siècle. Nous ne sommes pas capables de toujours avoir un paquet de facultés papillées un peu partout dans Port-au-Prince. Elles ont chaque là de 300 ou 400 monde. Il faut réfléchir à des grands projets d'université qui prennent 30 40 000 monde avec d'abord reformer des professeurs, que bailler des bourses d'études, former nègres pour que le niveau d'enseignement monte à l'autre niveau et qui absorbe les monde. Autrement, ça ne peut pas le faire. Vous avez l'impression que vous avez une vision trop fort. Hein? Oui, moi, j'ai une histoire pour être dans, moi-même être dans le cadre de ça. Qu'on est à l'imperfide qui était qu'on livre quand la Chine s'éveillait, années 60. Et Charles de Gaulle, puis le monsieur le dit, monsieur Alain, moi non bien, c'est son extérieur, c'est intelligent, honnête. Moi, qu'on livre là quand la Chine s'éveillait. Le rapport de service d'intelligence, pas moi, il monte la Chine dans son côté. Comment dit mon toutou, il y a couru 20 des boutons dans la rue. Pékin, il y a des côtés, il y a des gros corridors, côté que Fatra, pile Fatra, monter mes routes, pas rien, non. On parle de la Chine, c'est vrai. La Chine, pas que j'aime arriver, mon cheko. Dans l'état, oui, là. Mais Alain, ça intrigue parce que, même quoi, que son être qui est cohérent, qui est logique. Donc, vous pensez que le dragon, ça, c'est comme ça, la Chine, c'est le dragon. Donc, vous pensez que le dragon, ça, on joue à pleuver. Je dis, ah, voilà, pleuver. Mais Alain, où t'as allé? Qui sont ouais? Qui sont ouais? Qui fait pourquoi que le dragon, ça, a levé? Je dis, général, mal de ça, moi. Mal en pile côté en Chine, effectivement, soit des prix assez vrai. Dans le temps, Pékin, après, c'était interdit là que aucun bébé bien propre bail ça voilà. Et on communisme dur, révolution culturelle, maladure. Nègyo intransigeant, nègyo fusé mon à droite à gauche, bail très rigide. Je dis, c'est ça un paquet de mon ouais. Mon ouais, si mon effectivement, pied à terre dans la rue, pile fatra, des canals à ciel ouvert, côté tout un miasse de choses. Je dis, mais là, je suis pas chez la province, je suis mon paquet de bâtiments, mon paquet de côté malé. Et puis là, je me dis, ça va être ça, oui, là. Mais oui, c'est université. Ah, université. Hein? Bon, ok. Et, mal l'autre côté, je me dis, mon bâtiment neuf, moi, là, ça, ça lié. Université. Ah, université. Ok. Puis je dis, son pays, dans tout pays, il y a fait université. Et majorité, faculté, quand même, c'est faculté de génie. Je dis, un pays qui prépare 20, 30 000 ingénieurs par an, prépare quelque chose à l'envers, là, je veux dire, là. Ce qui veut dire que, il y a une bagarre qui a apporté changement dans le pays, ça. C'est la remise sur place d'une université haïtienne sérieuse, qui a formé 10 000, 15 000 nègres, formé des ingénieurs. De nos émissions dans l'autre station, là, du côté, il nous faut une ingénierie de changement, qui pour former des ingénieurs. C'est parce qu'on n'a pas besoin. Il faut que c'est des ingénieurs, c'est-à-dire des nègres qui ont capacité de penser, et capable de proposer des changements. Mais former, oui, mais faut se rendre nos visions. Sinon, il n'y a pas de résultat. Déjà, accepter le fait qu'il nous faut cette université est déjà une avance sur la vision. Mm-hmm. Pensez déjà à former les jeunes au niveau université. Bah, sérieux, c'est déjà une vision que malheureusement, jusqu'à maintenant, beaucoup de gens ne sont pas capables de joindre. Parce que Sangui, là, je veux dire, ce n'est pas en bas spontané, ils sont construction. Et il vient en fonction de choix qu'on fait, et qui fait que c'est ça, il là, et il a plein tout le temps. Mais il y a tout le temps envie de matin, côté élite, élite politique, élite économique, élite intellectuelle, élite religieuse. Finalement, on va chercher, puis il ne faut pas, ouais. Société A, nous, après 86, parce que société A, pour une fois qu'il tombe, il tombe à genoux. Et, on remise en question, même de moi, tout, là, pour ça, on est élite. On a dit pas de classe, on a dit tout le temps, on a dit classe. On dit, mais c'est un défaut, non? Ouais, il y en a qui était plus mettait question de classe ça sur le tapis, c'était Marx. Okay. Mais Marx, bon, bah, il dit que peut-être un pile marxiste ici, il va peut-être retenir. Marx dit, pour que y ait une classe, il faut qu'il y ait conscience de classe.
Ce qui veut dire que ou pas mettre tête ou un côté parce que ou pensez son côté ou non. Ou mettre tête ou un côté parce que c'est l'orier, c'est l'or ou conscient que vous avez une responsabilité. Lors vous pays que vous avez une élite là. Sauf l'élite. D'abord, il y a des élites. Il n'y a pas qu'une élite. En nature, on dit élite en général, il y a coloré, ok? Il y a coloré, il y a stratifié, et il y a ballon zone de résidence bien précise qui est pire que le niveau de la mer. Ok? C'est comme ça que l'on dit élite en Haïti. Alors qu'il n'y a pas qu'une élite, il y a des élites. À l'intérieur de toutes les strates sociales, il y a des élites. Mais l'on est élite irresponsable. L'on est élite, je ne peux revenir à chaque événement au Mathieu Lista, je m'habitue à dire, soi-disant, élite ou palais à la, même sacrifice là. Je me suis dit, bien. Comment faire capable d'accepter, et moi-même, tout peut-être mon niveau d'irresponsabilité, tout. Je vis dans un pays, côté si je fais une crise là, qu'on y a là, je mourir, parce que je n'ai aucun côté au cas avec. Le goût élite, que si je suis c'est dans l'université à l'étranger, l'obligé vous. L'ogon élite, s'il veut, c'est pour une vacances, c'est à l'étranger pour l'aller. L'ogon élite, s'il veut aller dans le cinéma, c'est dans le pays étranger pour l'aller. L'ogon élite, si pour l'entrée, non. Écoute, c'est un problème mettre là. C'est-à-dire que tout, à tout niveau, yo, nous atteignons ce d'irresponsabilité jamais vue dans ce pays. Et nous croyons normal. Et bien, exactement. À force de rentrer dans un quotidien banalisé, banal, à la limite bestial. Puis je mets la map de ça là. Je m'habitue à venir dans l'élection nationale là. Okay. Mais ce n'est pas que ma critique est direction claire. Peut-être que le Paris responsable directement. Mais j'avais l'habitude de venir ici. Moi, ouais, il y a dégradation ici à l'élection nationale là. Mais nous, moi, tap pas que dans la cour là. Moi, yo. Ça tap pas que fait pas que dans la cour. C'est normal que les machines employées, yo. C'est normal que les machines invitées, yo. Mais l'élection nationale, pas un parking pour tap faire que dans la quartier. Donc ça veut dire que vous laissez grain et fait. Ah, bon. C'est des tap. Oui, mais ben, là, oui, alors, on parle niveau marché qui est devant les gens. Pour m'entrer là, oui, qu'à côté, à sens unique. Ok? Là, je parle de sens unique. En tant que moi qui respecte l'ordre. Je dis, bon, je vais faire le tout. Policier, acteur, je dis, non, mettre entrer. C'est moi qui dis, monsieur, non, mais bon, sens unique. Bon. Non, mettre entrer. Monsieur, camper trafic là. Monsieur, ferme pour barrage illégal. Même si dans toute télévision, l'État, c'est une télévision tout stérile. Bon, il n'est pas obligé stérile, parce que la télévision n'est pas, ne fait pas partie de la machine de responsabilité politique ou bien sûr. C'est pas, mais de toute façon, il n'y a pas d'accord comme ça, j'en ai là. Je me songeais comment le déconner. Ça m'a pris toute une histoire pour arriver à rentrer dans la cour là. Pour me parking dans la cour là, on paquet de machines en panne, tap. Mais c'est arrivé sur le temps. Je n'accuse pas la direction qui est là, non du tout. C'est son accumulation de temps. Dans la rue, il y a la police, même gens. Et la police fouille, fait travail. Mais, et puis, nous tenons la logique de laxisme, de que nous ne disons pas rien. Et puis, nous venons prendre ça, le normal. Okay? Parce qu'on est que le normal, de manière absolue, n'a pas existé. Okay? Le normal, c'est en société donnée à un moment X de l'évolution acceptée. En Haïti, la corruption est devenue le normal. La saleté, la malpropreté des rues est devenue le normal. Le pagain cinéma est devenu le normal. Que pas l'hôpital est devenu le normal, tout ça me besoin forme gain corps est devenu le normal. Un problème maintenant. Mais alors tu proposes on va ou dit faut qu'on t'a un chita ensemble on dit ça qu'on fait. Mais c'est peut-être une habit gros problème. Nous et Noël pendant toute dernière année ça yo, river meta ici ensemble. D'ailleurs le vivre ensemble en Haïti est fragile. On a discuté parce que on a l'impression pile fois nous plus entendre sur ça pas d'accord. Mais pas toujours entendre sur ça d'accord. Mais pourquoi jamais entendre sur ça d'accord? Ça veut dire que sur ça pas d'accord facile. Et quand on me dit pendant que je parle au début, on a parlé de différents sérieux, côté que le lesco tombé, le lesco tombé, janvier 46, fin de quoi lesco. Et si je monté, ça vient sauver nous. Pap, 10 mai 50, coup d'état pour le Magloire. Magloire monté, Duvalier monté 22 octobre 57, paf! Et puis, une succession de gouvernement compté, ils ont toujours fait enrager des lots, nous critiquer, nous craser, nous déchouquer, nous faire toute qualité de bagaille. Nous pas jamais prendre ça, nous, pour une chita, pour nous faire une évaluation. Quand on me dit, il y a du bon, du très bon, du mauvais, du très mauvais, pour nous évacuer ça que vous faites là. Nous pas jamais d'accord pour que, d'abord, nous très intolérants. Ok? Ou sont jeunes, mais quand même, vous vivez assez de temps pour que
nous acceptons difficilement l'autre et les choix de l'autre. Ok? Et je me rappelle que j'avais été critiqué moi-même personnellement. Parce que nous, émission de faire une radio. Je me salue, courage, on est que jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas de la baronne qui m'a nié, que le coup d'état président Aristide là, qui font appel sur radio, à la radio communication, pour dire, mais attaquez président, que nous tous mal cachés, okay, en parlant des proches d'Aristide, à l'époque c'est ça qu'il faisait, et que moi-même je me et monsieur essaye d'aller à pied, il s'est pas au prince, je n'ai pas suivi dans la radio, c'était un scanner à l'époque ça. Je n'ai pas suivi monsieur. Monsieur c'est le rivé et bon cité soleil, il passait à Sco, il veut cité soleil, je dis, ah, il a tiré par ça ou là, le pape a continué à aller comme ça. Mais monsieur, nous pas capable de faire traite comme ça, président, nous avons un problème tabac, c'est pour nous sauver, monsieur. Et quelques temps après, dans la radio, moi j'ai salué ce courage. Ça. Mais il y a qui était amis, qui était proche. Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas. Il n'y a pas de bail dans la radio. On a fait des appels pour dire que bon bon monde qui était proche, président, ici, qu'il a caché. Président, nous avons un problème, il a attaqué monsieur tabac, c'est pour nous le défendre. Et à pied, juste à pied, n'est-ce pas. L'essayer passer par route nationale numéro 1, de passer devant Asco, il fait bosser le soleil, je suppose que c'est de bonnes zones, bosser le soleil. Monsieur a tiré, monsieur saute peur, il n'a pas qu'à passer, puis monsieur retourne pour au prince. Non, émission me dit, mon cher, c'est comme ça. Si on a pour un monde, c'est comme ça pour un monde. Ah, mais c'est comme ça. Okay. Pardon? Pas un peu le monde comme ça. Ok. Eh bien, justement, maintenant, j'ai été, mais Mabdou, des mondes qui ont mis, me critiquaient, me disaient, je te connais que je suis pas proche pour une Aristide. Des mondes qui ont mis, qui ont même tout pas de proche pour une Aristide. Dis même pas comprendre non. A pas besoin de télévision. Dis monsieur, mais c'est extraordinaire. Faut respecter. Faut respecter. Et vous comprenez, monde qui ont attache, monde qui ont parole. Nous pas de parole. Nous, mesdames, nous sommes mentis. Dans la réunion, nous d'accord sur des choses. Sauti, nous pas d'accord encore. Donc, l'homme dit que Haïti a besoin psychiatrique. Okay? Tout le monde a parlé de coopération externe, coopération économique, coopération culturelle. Même moi, je dis non, mais beaucoup j'aime des personnes qui parlent de la coopération psychiatrique. Je dis pour qui ça? Je dis, mais il faut admettre que nous sommes malades en tant que société. C'est pas. Et même nous, nous, même, qui derrière la caméra, là, nous avons un problème. Ça veut dire que c'est qui ça qui est là? Aujourd'hui, là où ma chérie est tombée là, mais, ça aurait dû sonner et l'alarme très fort. On dit, comment, moi, monsieur, ah, bah, ça qui arrive tout. Par contre, vous comprenez que le tremblement de terre a montré ça. Et tout le monde n'est pas à l'abri, personne. Pas besoin de comprendre quoi pour te gagner, qui est-ce qui n'est pas rapport, comment on est, dans qui généalogie, je pense, on sorti, tout n'est différent, t'es capra. Okay? Mais malgré que nous, tous, nous, capra, on a comme l'impression qu'on se croit un protégé d'un Dieu quelque part, qui a pour retirer une pile là, alors que nous, c'est pas vrai. Moi, par exemple, à Avion, le fait que nous, comme dans First Class, nous, on a classé ça, c'est dernier affaire. C'est ça, son bagage qui. Ça aurait dû faire pleurer, mais en tant que sociologue, je pense que son façon très pointue de définir la société haïtienne. Par contre, si un téléspectateur qui est au courant de blagues, ça, Daniel Ferrière a catégorisé la société haïtienne. Il dit son avion qui a brûlé, il y a un problème. Bon moment, l'avion va le sauter. Et puis, il n'y a pas là tout le monde. Et puis, il y a remarqué que dans la première classe, il y a très calme. Et puis, il dit, mais il y a un problème maintenant. Avion bon bon, avion pral sauter. Il dit non, il y a un problème dans la première classe. Comme si sous la première classe, avion sauter, pas gagner. C'est très fort. Dani, il y a un esprit ça, tu traduis le comme ça. Mais c'est vrai. On a comme l'impression que, bon bon dans l'avion, hein, ok, même de l'autre façon que, Georges Moustaki, qui est musique côté, monsieur dit ça. Monsieur dit, la société prend de l'eau de tous côtés. On est sur un bateau qui s'appelle Haïti, qui prend de l'eau de tous côtés. Vous comprenez? Puis passager qu'en première classe en l'air, mais qu'on a smoking sur l'eau, on vit au long cap, jouer à pédé dans ses bois champagne. Ils ont dit, mais le bateau prend de l'eau de tous côtés, on va couler. Et on dit, ah bon, là où on est, on ne risque rien. Donc c'est terrible. Vous avez vu que chaque monde a essayé de tirer de grâce sur eux, et au final, le pays se meurt. Mais Sergino, pas de tirer de grâce sur vous, quand on prend. Si, tirer de grâce sur vous, c'est si. Vous comprenez que sous ces Miami, on y est. C'est ces Miami, on y est. Ok? Ou gon usine en bande esclave qui travaille pour vous, prince. Chaque mois, vous êtes là pour habiter Miami. Nèg ça, oui, monsieur a tiré de la zone. De Miami, monsieur caché. Ou bien caché New York. J'ai pris l'exemple de Miami. Ok? Monsieur a une usine en bande esclave qui fait cob. Monsieur caché Miami. Chaque mois, vous êtes là pour lui. Il se. Je ne critique pas ce comportement, hein, du tout. Hein. Si quelqu'un a fait ça, c'est pour une critique que je fais. C'est un exemple que je fais. Je comprends que Nèg ça a dit que là, l'abri. Parce qu'en fait, là, l'abri, dont. Parce qu'en 911, en 5 minutes, on est qui là. Il y a la police qui vient, il y
y a ambulance qui vient, il y a un hélicoptère. Dans les 15 minutes au plus tard, où l'intervention qui a fait sous, nous avons compris que nous avons que l'abri. Mais nous tous qui vivons là, dans l'espace sac, là, pour qui est Haïti là, à l'abri de qui ça nous est là. Si contrairement à encore fait, on a fait suite, Jean, ingénieur petit prévoit là, là. Ok? Et qu'on est à tomber sous moi, voilà, qu'on y a. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Et même le vide, bon, on dit voilà avec nous. Il faut pas être menti. Maintenant, nous tous qui acceptons de vivre sous territoire sans là, de manière inconsciente et irresponsable, nous participons à faire de ce pays ce qu'il est. Il y a qui ont plus de moyens qu'on l'autre, il y a qui ont plus de responsabilités qu'on l'autre, mais nous tous plus ou moins responsables. Ceux qui ne parlent pas sont aussi responsables que ceux qui parlent. Je fais un bagaille. Oui, on n'est pas à l'abri. Nous tous cap vivre sous territoire, ça, sur 27 750 km², ça, plus ou moins 750, on n'est pas à l'abri. Mais au fait, vous parcours dans l'administration publique là, ou même conseiller président de la République, oui. Ou rencontrer, ou participer dans plusieurs grandes réunions politiques, qui ça fait problème? Qui ça fait nous pas entendre nous pour amorcer le développement du pays? Qui ça fait après 200 ans, nous pas capables de l'éducation, nous pas capables de garantir la santé, nous pas capables de loisir, nous pas capables de faire une université? Qui ça problème? Parce que la discussion ça toujours qu'on a fait, la presse toujours là, grandes réunions, parfois nous commençons dans le matin jusqu'à soir, mais finalement c'est ça qui est. Tu sais, bon, écoute, vous comprenez que moi très préoccupé par ça. Et ce n'est pas Kounia, non? Et vous avez dit, ouais, vous êtes dans le gouvernement, c'est Kounia, ma côte, Kounia préoccupé. Non, je suis toujours préoccupé par ça. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, j'ai toujours été. Depuis une petite consommée. Mais il vient nos familles, côté papa, dans le cas là, tu es préoccupé par ça. Okay? Papa me soutient dans le courant 46 là, papa me soutient dans la matrice estimiste là, côté qu'il y a une préoccupation, d'abord une préoccupation sociale. Pour faire face au racisme haïtien, pour faire face à toute nuance de comportement et d'attitude qui était liée ou à l'épidémie, ou à la classe sociale, ou au nom, il y a une bataille qui était faite sur ça. Donc, je vais là quand même très tôt. La science sociale, ça veut dire que, je ne sais pas, je dis, c'est toujours comme ça. Côté que, en permanence, on a fait remise en question ça. Donc, moi-même personnellement, et tout le monde qui me desservit avec vous, ou en bas au cas là pour confirmer. Et si je me dis qu'il passe exact, m'autorise, ou venir là pour dire que ça me dit, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours dit, monsieur, font gens. Faut que nous font gens. Maintenant, j'en dis, j'ai été conseiller du président de la République, j'ai été battre une ministre en seul coup. De commencer par sous-directeur, bin directeur après, bin sous-secrétaire d'État, bin secrétaire d'État. C'est pas en élastique que tu prends des propulsés dans la tête à la tête. Non, de commencer en bas. Pas en bas, net, même de commencer en bas. Donc tout net qui était en l'air mieux, nous avons regardé pour gagner des fois ça fait bagaille, pas qu'à marcher. On est toujours dans des tentatives d'explication. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est qu'on est, mais on ne peut pas. Ou pas dire que c'est voyager ou pas, ouais. Ou pas qu'à dire que c'est pas. Écoute, exemple que nous prenons à l'hôpital là, c'est évident. Donc matin là, le conseil des ministres, tout les ministres de pays là, il faut être dit, oh, si ça arrive même pas là, je vais obligé de faire tout. Je ne vais pas comprendre. Donc, on doit chercher l'explication autre part pour essayer de comprendre l'attitude ça. Il y a une explication ou tentative d'explication qui est très grave. C'est l'anthropologie, mais j'ai essayé de chercher. Côté que nous, c'est que l'on est dans la formation ethnie haïtienne, ce que nous sommes. Ok? Vous regardez pour vous, nous sommes tous noirs dans ce pays, mais nous pas toutes noirs, même gens. Puis nous sortis à l'initial de différentes zones différentes. Ok? Nous avons subi un régime esclavagiste, colonial, qui perpétuait différenciation et rangé col. Pour durer de arriver blanc ici, 1492, 1510, colonisation a commencé, jusqu'à 1791, on a parlé de près de 300 ans, côté aucun bénon régime qui cultivait la méfiance, qui cultivait la différence, et qui permette que dans la gestion monde pour produire, yo te mette dans une situation côté que yo te arrangé yo, pour que chaque nègre qui a travaillé à côté, on l'autre nègre sorti dans l'autre ethnie qui est différent de par là.
Donc on a passé des siècles à ne pas pouvoir simplement communiquer entre nous, parler. C'est moi son mandingue ou son ibo, ou pas comprendre ça m'a dit. Mais même c'est une tentative d'explication que nous avons. Côté que pendant plus de 200 ans, nous pas même qu'à parler. Blanc vient devant ton dernier bagage qui était extraordinaire dans la stratégie de maintien dans l'esclavage là. C'est que les vins créer un degré de tonalité de couleur de peau, côté M. hiérarchisé stratification sociale là, sous la base de teinte, en sortant du blanc qui est blanc jusqu'au noir, noir, noir qui est noir. Et sa distribution des avantages et des profits se faisait aussi sur cette base. Donc nous, en Haïti, nous sommes le produit d'une société issue d'un esclavage, mais issue d'une manipulation humaine extrêmement importante. On doit pouvoir trouver les psychiatres ou les psychologues pour nous reprogrammer. Parce que l'un dans nous, dans l'autre émission d'a fait, a parlé de racisme dominicain. Vous avez dit, oui, évidemment, il y a un racisme dominicain. Tous les dominicains ne sont pas racistes, c'est ce que je dis. Mais il y a dans la société dominicaine une frange qui est raciste. Mais, je dis, ben Haïti aussi. Et au fond de nous, ce racisme-là s'exprime le pire dans toutes les strates de notre société, puisque l'expression amélioration de la race est un terme courant dans notre vocabulaire. Et ça, vrai, dans toute strate pays, on va regarder pour elle le traitement donné à des gens de teintes différentes. Dans toute stratification sociale pays, oui. Comment elle fonctionne? Donc, il faut que nous ne pas être nous mentir, parce que si on veut sortir de cette situation-là, on doit se dire la vérité. Et se dire la vérité à impliquer, même penser, il faudrait que nous cherchions apport des gens qui ont des formations psychiatriques, psychologiques, pour un comprendre et formation ethnique, nous, comprendre vécu historique, nous, puis comprendre vécu économique, nous tout. Parce que nous n'avons pas de République dominicaine, moi je l'ai passé là, donc peut-être pas bien trop pour entrer dans ça. Mais et on vit une situation économique, ce n'est pas le résultat du hasard. Il y a des éléments, des bagages qui passent qui font ça. Donc leur combiner cette réalité historique, cette formation ethnique et le fait économique de la société que nous avons aujourd'hui. C'est ça, mais il y a des gens qui proposent, par exemple, le docteur Tunep Delpé, de Regret et Mémoire, a proposé une conférence nationale, donc il parlait de conférence nationale souveraine, je dis à l'administration qui a parlé de l'état généraux sectoriel. Bon, c'est tout ça, t'a aidé nous pour nous poser un problème et bien une solution Je ne sais pas. Oui, bon, dans le principe, oui. Maintenant, ouais, pour exemple, l'exemple du Rwanda récemment fait un pile, pas un pile, Bruno Kagame a réussi quelque chose qui paraît extraordinaire et qui de fait extraordinaire. Pour qui ça? Le Rwanda, c'est un pays qui, il y a quelques années de ça, il y a eu un massacre, un véritable génocide. Parce qu'en Haïti, le mot génocide est appliqué, malheureusement, dans n'importe qui bagaille. 8 personnes mourir à génocide, génocide. C'est 900, près d'un million de monde qui massacrent. Et dans le cas du Rwanda, terme technique qu'il peut utiliser, c'est un ethnocide. Donc, il parle de génocide, non, c'est un ethnocide. C'est un ethnie, ok, qu'ils ont essayé d'éliminer. Maintenant, mais comment il a pu faire ça? Il a pu faire ça parce qu'ils ont réussi une chose, et c'est là que, ici en Haïti, qui point, qui bat le plus de problèmes, non? La vérité. Il faut, avant, pour nous avancer dans aucun sens, on doit devoir se dire la vérité. C'est ça qui est arrivé au Rwanda. Ouais, au Rwanda. Au Rwanda, il a fait nek ki tue moun yo, vin chita, a nek ki gen moun mouri yo, pour dire c'est moi qui tue intérieur. Mais pour qui ça me tue? Et ou même, donc, en Afrique du Sud, c'est pareil. La commission de vérité qui était montée en Afrique du Sud là, c'est même pas là au fait. Ici, est-ce que cette société-là a ce courage? Est-ce que cette société-là a le courage de se dire la vérité? Est-ce que cette société-là capable chita pour dire, et on critique beaucoup la formation parlement. Ils critiquaient que le Parlement. Pas gain filadel gain une ou deux filles au parlement et trois filles chez député en fin national. OK, sous 140 moun et trois filles. Là je nous parlons alors que bon loi qui dit faut que tu aies 30%, OK,
on a parlé de ça, de 2,5%. Okay. Donc, ça ne tient pas. Maintenant, il faut chercher qu'on est. Mais pour qui ça va comme ça? Combien de monde clègue dans le Parlement? Je suis sociologue. Est-ce qu'en Haïti, il n'y a que des gens à peau foncée? Non. Est-ce que la formation sociale haïtienne actuelle, il n'y a que des noirs foncés dans cette société haïtienne? Combien de gens clairs y a-t-il au Parlement haïtien maintenant? Donc, il faut nous poser des questions, ça. Il faut nous donner une réponse pour autour. Tout le temps que nous ne sommes pas capables d'aborder des questions comme ça, pour de manière très ouverte, de manière très claire, nous ne pas faire état de toute réalité sociale, sociopolitique, psychosociopolitique dans le pays. C'est vrai, si on veut pieux de faire un grand état général de la nation. Mais si on n'est pas d'accord pour se dire la vérité. Moi-même, moi, c'est un partisan, comme sociologue, je suis de Newton. Côté que Newton, dans une loi physique, lui, on me dit qu'à chaque action, une action égale et opposée. Nous sommes dans un courant sociologique qui pensait, qui croit que pas un rien que fait qui n'est pas causé par un bagage. Donc, s'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Si on a eu l'ESCO, c'est parce qu'il y a eu l'occupation américaine. S'il y a eu Duvalier estimé, c'est parce qu'il y a eu l'ESCO. S'il y a eu Aristide, c'est parce qu'il y a eu Duvalier. Et ainsi de suite. Mais maintenant, on doit chercher à savoir et à comprendre maintenant pourquoi. C'est quand on aura la réponse à ce pourquoi qu'on pourra commencer à avancer. Ça va le fermer avec le dossier République dominicaine, non, monsieur Supplice. On cherche chaque temps, on a une histoire difficile entre deux peuples. Il va toujours marcher. Récemment, on a sacrifié PD en allant, on chasse aux Haïtiens, l'autorité haïtienne est obligée de fermer les frontières, ou même on a une expérience en diplomatie à tout. Qui est ce problème qui fait que malheureusement, l'histoire peuple ça toujours, toujours difficile? Mon cher, le problème est un problème. Alors, je m'a parlé de l'expression et souvent l'expression intellectuelle. Mm-hmm. Très, 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 très simple. Son île qui séparait en deux États. Bien, un état, côté que bon jardin, qui belle, tout pied mango, mango là-dedans, tout pied zaboka, ou zaboka là-dedans, pied banane, y'a baye banane, bien 5 nez cap veille. De l'autre côté, bon état, ok, pas gain de l'eau, gain 10 000 nez cap garder pied mango, pied banane, galotin là, déjà bien. Donc le problème est un problème, comme on dit, au niveau intellectuel. Conceptuel, intellectuel, qui est relativement simple. Christian Mercier exprime le très simple. Bon, différentiel marginal de salaire et de revenus en deux États, qui fait qu'en permanence, il y a tendance à ce que la population plus pauvre de côté ça, jambé à côté que le quoi que le capi bien travaille là. C'est ça toute question. Nous allons vers l'Est, et c'est pas joli, non? En plus, le monde pense que son bail récent, on connaît. Mais il n'y a pas de bail. Mais Duvalier, on m'a dit Duvalier. Non, le bon 1801, mais il n'y a pas de bail. On va parler de 1801, Toussaint Louverture. Mm-hmm. Premier décret d'immigration fait dans le pays, c'est en 1801 fait. Quand Toussaint Louverture dit qu'il a fusillé tout le monde qui a jamais l'autre bois. Okay? Ça veut dire que il y a longtemps, il y a 200 ans, que nous avons tendance, nous-mêmes, du côté de l'Ouest, à jamber du côté de l'Est. Maintenant, et pendant un certain temps, si vous voulez plus ou moins équilibré au niveau de pays, où Farrell font une émission l'autre jour, quand il parlait de décalage là, qui est de plus en plus d'une pile importante, avec des revenus per capita de l'ordre de 800 dollars par an, bon, ici, comparé aux 8000 du côté de l'autre côté, ça veut dire que, et un développement qui a fait de l'autre côté, un développement qui m'a des main-d'œuvre, qui m'a des bras, que même on gagne, ok? Donc, la construction qu'a fait de l'ouest vers l'est, n'est d'abord allé dans l'agriculture, principalement pendant le début du XXe siècle à Cannes. Après, Cannes est venu passer dans café, tomates, bananes. Okay? Le gouvernement dominicain, dans l'année 90, vient faire une réorientation de stratégie économique. Je viens dans la production de services et autres choses. Nous venons quitter la province ou le rural dominicain. Et on voit que la présence haïtienne est plus importante dans la ville. Parce qu'ils viennent réorienter la politique, donc ils viennent dans la construction, okay? Pour avoir un système hôtelier. Donc, nous sommes une minorité très visible en République dominicaine, une minorité qui, très souvent, ne compte pas qu'à adapter culturellement à différents écoles. Donc, en gros, si vous voulez, je vous résumer rapidement et très gros,
situation de, qui a créé conflit. Mais je dirais que ça pour nous faire pour que nous mettons tout le monde, nous accorder violons pour que les compatriotes nous capturent sur le bon frontière. Pas et subi le problème ça encore. Il y a continué à subir. Il y a continué à subir. Et ce n'est pas pour être négatif, non, que je me dis ça. C'est parce que pour pouvoir apporter une solution à un problème, il faut attaquer le problème. Or, le problème, c'est la situation à l'interne ici. Ça veut dire qu'il faut que nous remembrions l'agriculture, il faut que nous créions travail pour Mounio. Il faut que nous repensions l'éducation peuple là. Il ne faut pas que nous fassions semblant, fermer les genoux. L'on est habité dans tête au monde de Saint-Michel de la Talaye. Nous ne connaissons pas si existait même papier d'identification de Babali. Okay? Et il faut nous faire ça. Ça veut dire que la porter solution diplomatiquement. Écoute, moi j'ai vu la réaction du gouvernement dominicain. Mais vous voyez les troupes militaires l'autre bois là, de calmer le jeu. Et mairie, l'autre bois calmer le jeu. Et du côté de l'ensapitre qui ville en face là. Et bon, une espèce d'entente entre dirigeants, on a plus ou moins colmaté la brèche dans ce bateau qui prend de l'eau. Il y a deux petits côtés où il y a colmaté la brèche. Et bon, il y aura toujours ce genre de situation. Sauf que m'espérer un jour que par un dérapage, puis c'est le fait qu'on est 37. Quoi. Mais, on a colmaté. Mais colmaté, pas résoudre le problème, non. Résoudre le problème, non, c'est là, au niveau ici. Il faut que nous entendions son stratégie de développement national, local. Il faut que nous entendions que nous avons une population que nous n'avons pas le droit de continuer à quitter, à vivre en existence. Ces gens liés là, de pauvreté, de misère. Okay? De tout le temps que nous barrons ce problème ça ici, là, on aura toujours sur le mais je n'ai pas besoin de tout dans la diplomatie pour nous renforcer, la qualité de la vie. Ça, c'est autre chose. Mais peu importe, moun, j'étais ambassadeur dominicain. Et son problème est au quotidien. Que le problème est quotidien. Mm-hmm. Haïti est dans les journaux dominicains au quotidien. Les problèmes avec les dominicains, ce sont des problèmes au quotidien. Parce que, comme nous, la source réelle du problème, ce n'est pas l'absence de la diplomatie où on accuse le ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui est responsable de ça. C'est l'État haïtien qui est responsable pour ne pas gérer les citoyens, qui fait que les citoyens sont obligés de quitter très souvent pour chercher ailleurs. C'était Bahamas, c'était Cuba en ce moment, c'était Kenkekos, c'est les Guyanes, c'est le Chili et l'Argentine. C'est aussi mais malgré ça, ils ne sont pas améliorés, non, forcément. Soit ils sont malgré l'autre bois. Non, soit ils ne sont pas améliorés, mais c'est ça qui est grave là. C'est qu'en même temps, son ponction importante qui fait en termes d'argent sorti. Mm-hmm. Et puis, mon aldeye ont espoir qui très souvent pas existé. Mm-hmm. Mais là, tout nous avons un amène pour nous parler avec Dominique, parce que nous sommes le premier partenaire économique. Et ou pas qu'on a pris 10 ans, tout le monde fait que vous respectez Haïtien de l'école de tout. Est-ce que ça change la situation à l'interne? Non, ça je veux. Le problème, c'est à l'interne. Avec les Dominicains, c'est clair, on peut parler avec eux. Mais si on veut arriver à une solution, non pas à faire du cosmétisme, côté que c'est maquillé, n'a pas maquillé, si on veut vraiment changer le visage de l'Haïtien, ce n'est pas en le maquillant, c'est en donnant des meilleures qualités d'existence ici en Haïti. Mm-hmm. Et ça me passe. Sinon, on n'a toujours le même problème. On a toujours le même problème. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça vient à Dominique pensé d'Haïtien, quand vous êtes ambassadeur de bois? Dominique pensé que nous sommes irresponsables. Ah bon? Oui. Dominique pensé, on ne va pas parler du gouvernement dominicain, non? M'appelle du Dominicain moyen. Mm-hmm. Bon, quand je dis Dominicain, là encore, on n'est pas capable, aussi catégorique. Bon, bon exemple. Et l'œuvre dominicaine pensait que Haïti était gagné by Jean-Pierre Smas, Haïti by Jacques Roumain, Haïti by Frédéric Masselin, Haïti by Antenor Firmin. Il n'y a pas qu'à comprendre un pays by ça. Pas qu'à gagner des cognacs à réfléchir sérieusement. Et de manière non émotive à porter solution. Un pays qui a gagné, j'ai presque comme ambassadeur, voilà. Un pays qui a gagné, on s'est eu le monde à la tête, il n'y a pas qu'à comprendre que qu'on y a là, on a plongé des sons, ça que pas personne qui dit halte là. Maintenant, le Dominicain de la classe inférieure pense que les Haïtiens sont hermano, son frère. Il est ambassadeur de l'autre là, pas de aucun problème dans la classe. Tout le monde vit ensemble, tout le monde cohabite ensemble. Tout le monde sort ensemble, haïtien et dominicain, et ainsi de suite. Nous avons plus de 40 000 étudiants en République dominicaine. Ce qui veut dire que pas de problème, ça du tout. Donc, pas que le monde pense que mon problème est peuple dominicain, peuple haïtien. Non, non. Il y a des franges de société qui ont des problèmes, qui ont des conflits. Et parce que mon perception de nous-mêmes qui est différente. Parce que pas oublier que la République dominicaine, la classe supérieure dominicaine, au niveau de certification sociale, elle est d'origine européenne, elle est blanche et elle est catholique. Perception, c'est que nous avons noirci une dominicaine parce que notre tête parle. Haïti était essentiellement et uniquement un pays d'ascendance africaine, de monde noir
et devant Louisa. Donc, c'est une perception ça. Qui, on côté, c'est ça qui crée la citation. Sauf que, contrairement à nous-mêmes, en République dominicaine, il n'y a pas cette hypocrisie qu'il y a ici. Parce que ici, il n'y a aucun homme d'affaires haïtien qui a souffert intérieur. Pour demander, monsieur, au niveau politique, qu'on est situé où en République dominicaine, l'idéologie est très claire. Mais qu'on connaît exactement côté où. L'assumer, mais ici nous marrons. Oui, non, j'assume. Mais ici nous sommes le peuple. L'extrême droite dominicaine dit, mais côté mieux. M'avlez les nègres haïtiens, m'avlez les nègres ceux-là. Les intellectuels dominicains, il y a un partage. Il y a deux, trois intellectuels qui sont dans l'extrême droite, ça. Mais la grande majorité des intellectuels, y compris l'ancien ambassadeur Rubén Sillier, doit être pour ça, sont courants progressistes, qui proches du Parti révolutionnaire dominicain. Hein. Et qui est très proche d'Haïti, dans le sens que il y a une histoire, il y a une baille, et ils pensent qu'il a un destin commun. Donc c'est à nous de construire ce destin. Dossier Boya, toi, puis nous avons une question Boya, le fait que Boya était occupé, Haïti était occupé pendant un petit temps, et puis de 20 ans, et ça tout, c'est Boya pour tirer revanche, non? Non, mais écoute, c'est un courant qui connaît mal l'histoire. D'abord, Boya n'est pas à l'occuper. Dominicaine n'a pas existé. C'est en 1944 que Dominicaine existait. Et il y a des preuves, on a trouvé des correspondances, côté un pigou. Souvelé et homme d'État dominicain, nous n'êtes de Carceles. Nous venons correspondance côté M. Kiboye. C'est lui qui m'a dit Boye venait de me sauver par rapport à un nègre Boye ici. Donc l'entrée des troupes haïtiennes en territoire de l'Est n'était pas pour établir l'impérialisme haïtien. C'était plutôt un premier bail que nous faisons. C'est l'abolition de l'esclavage. On ne retient pas ça. Deuxièmement, on a eu d'excellents rapports. On a été accueillis. On n'est pas rentré à Santo Domingo au canon. On a été reçu par des gens qui sont devenus dominicains par la suite. Maintenant, le reproche que le plus fait nous, c'est d'avoir fermé l'université. Okay? Et on peut maintenant, avec les yeux de l'historien et de mauvaise foi du 21e siècle, on peut admettre que ça a été une erreur monumentale. Cependant, si on rentre dans le contexte historique de l'époque, pas oublier que cette partie de l'Est était contrôlée par les Espagnols et que cette université jésuite était majoritairement, elle aussi, contrôlée par des Espagnols. Donc, quand tu rentres maintenant que tu viens pour changer un état de fait, c'est tout à fait normal qu'au sein de l'université, il y a un mouvement qui a fait. Donc, fermer cette université n'est pas une réaction à l'éducation et à l'instruction, mais une réaction à la politique. Il y avait des complots qui se sont... Donc, mais il faudrait que tu aies gagné, par exemple, des colloques entre deux pays, au niveau formel et au niveau de l'université, pour que les professeurs s'entendent sur cette histoire. Et il faudrait aussi, ce que m'a prêché tout le temps, que nous entendons au niveau du gouvernement, qu'au niveau des manuels d'histoire, et en Haïti, et en République dominicaine, qu'il y a une tentative d'explication de l'histoire pour apaiser les choses. Parce que par exemple, le livre haïtien, seul côté mentionné République dominicaine, c'est un chapitre qui parlait du Liceo. Mais après ça, par aucun côté. Dominicaine, c'est pareil. On ne parle pas d'Haïti. Donc, ils ne parlent pas de nous au niveau de la formation primaire. On ne parle pas d'eux au niveau de la formation primaire. Donc, on méconnaissance des deux pays. Et maintenant, les extrêmes jouent occasion et opportunité pour bailler l'information que vous voulez. Et c'est dommage pour avenir de papier. Moi-même, je pense qu'il faut qu'on pense à la construction de ce destin commun parce que Haïti ne survivra pas sans la République dominicaine et vice-versa. Merci, professeur Daniel Supis. C'est un plaisir. Voilà. Notre invité ce matin, le professeur Daniel Supis, sociologue de son état. C'est avec lui qu'il a fait mise au point ça. Merci tout le monde. Soutenez-le en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, professeur.